Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, l'immense plaisir que j'éprouve en me retrouvant à vos côtés, singulièrement en cette période de reconstruction de votre pays, pour participer à la remise des chèques à des jeunes Ivoiriens promoteurs d'entreprises. Ce plaisir est d'autant plus grand que ces subventions viennent en appui aux immenses efforts réalisés par votre département, qui est cité en exemple dans notre espace francophone, pour l'intérêt tout particulier qu'il n'a cessé d'accorder à la promotion des jeunes en général et aux jeunes en quête d'emploi en particulier. En effet, aujourd'hui, nul n'ignore tout le dispositif mis en place par votre gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes et contre la pauvreté. Ce dispositif se traduit, entre autres, par la création de nombreuses structures de formation professionnelle, le financement des projets des jeunes, mais surtout une volonté politique affirmée des plus hautes autorités du pays d'impliquer les jeunes dans le développement socio-économique du pays. C'est pourquoi le fonds d'insertion des jeunes n'est qu'un appoint dans le dispositif d'insertion socio-économique pour les jeunes Ivoiriens. Je reste persuadé que vous ne cessez d'impliquer les autres départements ministériels, les organisations nationales et internationales, en vue de mieux traduire en actes la volonté politique d'éradiquer le chômage des jeunes clairement défini par M. le Président de la République et mise en œuvre par votre département. La CONFEGES, qui a fait de la lutte contre le chômage des jeunes son cheval de bataille, ne peut que s'en réjouir et féliciter les pays membres qui s'illustrent dans cette voie et souhaiter vivement que leurs expériences fassent des émulations au sein de tous nos pays membres. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous vous prions d'être notre fidèle interprète auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour lui transmettre nos vives félicitations et lui traduire l'infinie gratitude de la CONFEGES pour tout l'intérêt qu'il nourrit pour les jeunes francophones en général et ceux de son pays en particulier. Au total, ce sont 12 nouveaux projets de jeunes qui ont été sélectionnés par le Comité international technique de sélection et d'orientation du FIGE pour un montant global de 27 750 000 francs CFA, y compris les frais de suivi de l'ensemble des 10 projets. Ces 12 micro-entreprises auront généré au moins une cinquantaine d'emplois permanents et décents. Ce faisant, le cumul des montants investis par notre institution commune à la Côte d'Ivoire de 2006 à 2011 s'élève à 80 350 000 francs CFA, finançant ainsi plus de 60 projets avec 250 emplois au profit des jeunes, sans compter les nombreuses sessions de formation organisées par notre institution commune auxquelles les cadres et jeunes Ivoiriens ont activement participé. Le Comité international de sélection du FIGE reçoit tous les projets des jeunes francophones dans les différents pays membres. Et une sélection est faite sur la base de l'excellence des projets. Ce n'est pas parce que c'est la Côte d'Ivoire a envoyé des projets, s'ils n'étaient pas bons, nous ne les aurions pas choisis au détriment des autres. Ces projets donc qui ont été sélectionnés, c'est parce que simplement ce sont des projets qui ont été bien ficelés. Qu'il me soit donc permis ici de féliciter ici les jeunes dont les projets ont été retenus par votre département et, comme je le disais tout à l'heure, sélectionnés par la CONFEGES. Ils vont recevoir des chèques leur ouvrant la porte du monde des affaires et je leur souhaite plein succès dans cette voie. Faites un très bon usage des fonds qui sont mis à votre disposition. Avant de clore mon propos, Monsieur le Ministre, je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements pour les actions menées en faveur de la jeunesse ivoirienne, pour sa responsabilisation, son autonomisation et sa contribution à la réalisation des projets initiés par le gouvernement et qui sont porteurs de cohésion sociale et de développement économique. Je vous remercie de votre aimable attention.
Mesdames et messieurs, les promoteurs bénéficiaires des fonds de la Confédération au titre de l'année 2010-2011, par ma voix, vous traduisent leurs sincères remerciements. Le financement de ces différents projets constitue un ouf de soulagement pour nous, jeunes promoteurs ivoiriens. Vous avez cru en nous à travers ces différents projets sélectionnés parmi tant d'autres, et nous avons le droit et le devoir de ne pas vous décevoir. Vous avez tenu à effectuer personnellement le déplacement à Abidjan afin d'assister à la cérémonie de ce jour. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique ressent profondément le témoignage de l'intérêt que vous portez ainsi à la jeunesse ivoirienne. Je vous dis notre vive gratitude. Nous avons, Monsieur le Secrétaire Général, une autre raison de vous exprimer notre infinie reconnaissance. Celle-ci tient à ceci que, alors même que la Côte d'Ivoire n'est pas à jour de ses cotisations pour être éligible au financement de la Configes, vous avez, avec bienveillance et hauteur de vue, décidé de faire une dérogation spéciale permettant de rendre possible l'événement qui nous réunit ce jour. 12 jeunes Ivoiriens viennent de recevoir le financement de leurs projets respectifs à hauteur de 19 462 500 francs CFA. À travers eux, c'est la jeunesse ivoirienne qui est ainsi honorée par l'action de la Confédération. Pour cela, vous avez, mesdames et messieurs les bénéficiaires, une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'échouer, que vous devez réussir et vous n'avez d'autre choix que de réussir. Le marché de l'emploi salarié étant soumis aux aléas des conjonctures économiques, il paraît indiqué d'orienter les jeunes vers l'auto-emploi. Jeunes promoteurs, vous imaginez donc la portée de votre projet dont le financement est à partir de ce jour entre vos mains. Il est vrai que vous êtes les bénéficiaires des présents fonds. Vous êtes donc responsable au sens plein de leur gestion. Monsieur le secrétaire général de la Confédération, je ne saurais croire mon propos sans vous réitérer mes sincères remerciements ainsi que ceux du gouvernement de Côte d'Ivoire et vous assurer de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer non seulement pour la consolidation de la coopération, mais également pour la régularisation de la situation de la Côte d'Ivoire auprès de votre auguste institution. Je commence par remercier très vivement M. le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé à Abidjan depuis que je suis arrivé ici. Cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister est une cérémonie de remise de chèques aux jeunes Ivoiriens qui ont été bénéficiaires du FIJ de 2010 à 2011. Et notre objectif était de contribuer à l'effort du gouvernement ivoirien pour l'emploi des jeunes de manière générale et lutter ainsi contre la pauvreté. Donc par reconnaissance un peu à ce pays, donc, et je le répète, a été un modèle dans l'institution de la Confédération, nous avons voulu revenir en Côte d'Ivoire à ce moment précis, dans cette phase de reconstruction de ce pays pour pouvoir apporter notre contribution aux efforts que déploie le gouvernement, particulièrement depuis l'adoption au mois d'août de la politique nationale de la jeunesse et depuis que cette politique-là est mise en œuvre par le gouvernement. Alors, monsieur le secrétaire, comment comptez-vous suivre tous ces projets? Nous avons un mécanisme de suivi avec le ministère de la Jeunesse et du Sport et une évaluation qui est faite chaque année. Nous avons prévu un système de financement d'ailleurs qui est étalé sur 3 ans. Je disais tout à l'heure dans mon intervention que c'était 7 millions qui sont déjà accordés aux jeunes Ivoiriens.
mais ces 27 millions ne sont pas libérés immédiatement. Ils sont libérés dans une première tranche de 75% et les 25% sont étalés sur 2 ans pour pouvoir assurer la pérennité de ces programmes. Donc nous ferons une évaluation du projet au bout d'une année. Si le projet est viable, nous continuerons à financer la deuxième et la troisième partie de chacun de ces projets. Voilà un peu le mécanisme que nous mettons en place. Et nous avons, comme je l'ai dit, une commission nationale de suivi qui est instituée au niveau du ministère et qui suit donc les jeunes, non seulement pour la préparation, parce que vous avez vu, si ces projets n'étaient pas bien préparés, ils ne seraient certainement pas sélectionnés par le comité international. Et en plus, une fois qu'ils sont sélectionnés et que les jeunes ont reçu leur financement, ils sont également suivis pour donner le maximum de chances de survie à ces entreprises. Alors, quels sont les critères de sélection? Les critères, d'abord, c'est la fiabilité du projet, la rentabilité du projet, les critères financiers, etc. Nous avons donc 5 critères que nous avons définis et que les jeunes connaissent bien, puisque ça fait partie d'abord des formations que nous assurons, parce que nous ne nous contentons pas simplement de donner des subventions aux jeunes et de dire « allez-y ». Nous assurons en amont des formations, donc dans le domaine, comment négocier leur projet, comment monter son business plan, etc., etc. Voilà un peu ce que nous faisons comme action pour donner des chances de succès à ces projets. La formation est très utile, dans mon avis. Un appel à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Ben, c'est un appel d'abord pour... Vous savez que c'est elle qui va bénéficier de tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre actuellement. Donc, tous les changements porteurs de cohésion sociale et de développement économique qui sont annoncés dans le programme actuel de gouvernance, ce sont les jeunes qui vont être les principaux bénéficiaires. Et ce sont les jeunes, je pense, qui peuvent aider à changer un peu les mentalités. Satisfait du montant d'abord que la Confédération... je dis merci à la Confédération du ministre pour la promotion de la jeunesse et du service civique. Je suis très heureux d'avoir reçu ce chèque ce matin. J'exhorte mes frères à mettre leur confiance aussi, à venir déposer leurs projets pour être heureux comme moi ce matin.